une coupe de bonne tune là avec Angel, oui. Puis aussi Dude Looks Like a Lady. Dude Likes a Lady. ça avait remonté pas mal. Puis après ça, ils sont arrivés avec Pump qui a fessé, puis Get a Grip, puis tout ça. On était prêts. Après ça, c'est devenu le groupe. Là, qui, après ça, ils ont juste grossi. Là, la belle voix que vous entendez là, c'est Marc-André Boisvert. Hey, je peux pas croire parce que moi, j'étais fan numéro un. Je t'écoute. Fait que là, c'est comme la voix est rendue dans mon émission. C'est comme un trip d'animatrice. Là. Mais ça fait tellement plaisir d'être là. Salut Marie. Comment ça va? Allô, bien, commencez par le début. C'était hier, jour de sondage. Oui. Sincère félicitations. Marc-André, tu fais la circulation dans les choses du matin avec M. Bernatchez. Oui. Puis avec Guillaume Dumas, dans le retour, vous êtes numéro un aux deux places. Oui, on a les deux émissions numéro un à Québec. C'est gros, là! Oui, on est pas mal contents. Et de loin! C'est des bons animateurs, on va le dire. Ouais. Quand même, ils travaillent très, très fort. Et puis moi, ben, là, je fais la petite partie circulation. je sais pas si je peux m'attribuer ben du mérite pour ça, mais c'est des belles... Je fais pas rien que ça. Je t'écoute, là. Tu fais pas rien que ça. Des fois, ils t'envoient en mission. Mettons, tu sais, quand Mireille est allée tester les cours arrière des patinoires, là, t'es allé patiner. Ah oui, puis ils me font faire des petits concours, des trucs comme ça. Mais j'aime bien ça, la relation avec les auditeurs et tout ça. Mais le gros du travail, les animateurs, ça, moi, je les trouve incroyables, comment ils sont brillants, sont bons, sont allumés surtout. Ouais. Je les aime, sont doux. C'est pas la même ambiance qu'on a dans certaines radios ailleurs. Il y a un beau message là. Là-dedans, qu'est-ce que les gens aiment? Le contenu, l'intelligence et la douceur. Oui, puis on a beaucoup de plaisir. C'est vraiment deux belles équipes. On le sait, vous vous aimez. Ce qu'on entend à la radio, c'est comme ça que ça se passe. Là. Je peux te confirmer que ce soir, il y a un petit party BBM après, là, après le retour à la maison. Puis, tu sais, on va avoir du fun comme on en a en onde. Sais-tu comment qu'on le sait? Bien, premièrement, juste par la complicité que vous avez en onde. Puis, tu sais, là, tu es ici pour parler du band à Boisvert. Oui. Ça arrive aussi qu'il en parle en onde de ce que tu fais musicalement. Je veux dire, il t'aime, il t'encourage dans tes autres projets. Ben, tu vois, on a lancé à Noël une chanson qui s'appelle « On a joué un tour au Père Noël ». T'es écœurante, ta toune. Quelle bonne toune de Noël! C'était pour ramasser de l'argent pour le Noël des enfants, parce que je suis porte-parole du Noël des enfants pour aussi. Pour le savoir, hein, me semble, dans le slogan. Le Noël des enfants, le cadeau du savoir. Le cadeau du savoir, ça s'appelle voilà. Comme ça pour le nom complet. Mais... avec la machine de Radio-Canada, on a réussi à ramasser... j'ai remis un chèque de 25 000 $ Wow! Au cadeau, avec le band! Oui, avec le band, avec mon band et la chanson qu'on a vendue. Mais tu sais, les gars, pareil, M. Bernatchez et Guillaume, OK, ils ont quand même fanfaronné dans ton vidéoclip. Oui, chantent dedans. Ils sont venus chanter avec moi. Ils sont impliqués. Non seulement, ils en ont parlé en onde, ils t'ont aidé à ramasser l'argent, mais en plus de ça, ils sont allés s'éclater en avant de la caméra puis au micro. Là. Ils sont venus chanter en studio. Puis on a tourné le vidéo aussi pour faire la promo de cette chanson-là. Ils sont venus faire leur apparition aussi dans le vidéoclip. Bon, ben c'est pas mal extraordinaire parce que quand on œuvre, on est des artisans dans le milieu de la radio. Des fois, on est un petit peu désabusés parce qu'il y a beaucoup de méchanceté. Quand je vois des nids comme ça où on est heureux puis qu'il y a une chaleur, moi, je ne changerais pas de place. Faut pas de chance. Ça fait 10 ans que t'es là. Oui, c'est ma 10e année cette année. 10 ans de circulation. Ben, c'est vraiment... c'est dur se lever le matin là, pour aller travailler à la radio. Tu le fais longtemps. Tu t'as levé à 4 heures, des heures possibles. Ça reste même après. T'es fucké à vie après. Là. Mais moi, depuis que je suis à Radio-Canada, ça me dérange plus de me lever le matin. Alors ça, c'est... Quand tu te lèves le matin, t'as du plaisir avec ta gang de radio. Mais là, ton plaisir a dû changer parce que, circonstances pandémiques, le trafic, t'es plus pareil. Non, c'est plus la même chose. Mais j'ai passé un grand bout de temps dans mon sous-sol. Hein. J'ai passé vraiment... Écoute... Tu faisais checker la circulation de chevaux. On a changé le rôle un peu parce qu'il n'y avait plus de trafic. Il n'y en avait vraiment plus. Fait que là, aller brûler de l'essence sur le réseau routier... Non, c'est comme un lieu de zombies. Il n'y avait personne. Ça servait pas à grand chose. Fait que là, on recevait énormément de questions COVID, donc des auditeurs qui qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Faut-tu mettre le masque si je vais là? Des choses comme ça. Alors quand. Côté bleu ou côté blanc? C'est ça. Puis le bout dur, tu es en haut pour pincer le masque. Fait que là, c'est toujours pas clair. On a proposé de changer le rôle un peu, de faire de la circulation avec les caméras du ministère des Transports, puis Google Maps, tout ça, tu peux le faire de toute façon. Mais en plus, je répondais aux questions des auditeurs.
Fait que ça me donnait de l'ouvrage. Je répondais à ça. Puis on avait beaucoup. Fait que à chaque fois que j'avais une chronique circulation, je répondais à une question aussi. Fait que c'était pas pire pour ça. On a changé le rôle un peu. Ben, ouais. c'est vraiment dynamique. Mais sinon, il aurait pu me dire on te laisse à la maison. Fait que quand ça reprendra, tu reviendras. Ça aurait été un petit peu. J'aurais capoté ma vie. Non, là. Ils ont bien fait de t'entretenir parce que là, ton rôle est plus important que jamais. Comment t'expliques que toi-même, tu t'es fait pogner un peu par le trafic en t'amenant ici? Ben là, c'est l'heure du midi. D'habitude, je fais dodo à cette heure-là. Tu sais, je me recouche une heure ou deux. Tu le connais moins, ça. Oui, c'est ça. Fait que je regarde pas trop mes cartes et mes affaires. Mais là, c'est les travaux. Ça n'a pas de c'est sens. Fou, il y a hein? des travaux partout. Ah, ouais. 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 Alors, c'est ce qui explique là, que. Parce qu'on a encore beaucoup de télétravail. On a encore beaucoup de gens qui vont pas au bureau. Puis les étudiants du cégep de l'université qui sont sur le bord de finir leur session, si c'est pas déjà fait, mais qui sont encore à la maison, qui se déplacent pas dans les établissements. Fait que ça aidait aussi. Mais là, depuis que les travaux ont repris ce printemps, ça n'a pas été long qu'on a retrouvé le trafic. Bon, mais c'est pas grave parce que toi, tu as un bel échappatoire. Non seulement tu t'amuses dans ta job, mais en plus de ça, tu as un beau côté artistique. Okay? Ah, ben là, j'aime bien ça. T'encourages le rock. Ouais. On va le faire cet après-midi parce que le rock est un peu amoché. T'es-tu d'accord avec ça? Qui a comme perdu sa place. Et souvent, tu sais, je parlais du rock puis du rap. Ouais. Le rap est comme devenu le rock en termes d'attitude, tu sais. C'est la, vrai. La vie de vedette est là les rock stars, oui. La vie de rock star, c'est plus les rappers qui la font, peut-être. Ouais. On peut dire ça, je suis d'accord. Dire ça. Hein. Les rockers au Québec ont toujours été un petit peu plus mollo aussi. Il y a eu des exceptions, là. Tu sais, Anonymous puis ces trucs-là. Groovy puis... Voivode. Grimmskong, Voivode, puis des bands qui ont quand même maintenu ça plus élevé un peu. Oui. Mais si tu vas Romané, voir... Il y en a. Mais si tu vas voir des shows de Vincent Vallière ou de... Ils sont toujours plus rock en show parce que pour passer dans les ondes radio... Ils tamisent un peu la distorsion. Ah, je comprends. Ils limitent un peu le truc. Alors, puis moi, avec mon band, je voulais pas faire ça. C'est peut-être pour ça qu'on joue pas nulle part. Ouais, non, ben Philippe, t'avais pas l'intention, j'imagine, de doser sa guitare. Il avait Philippe, c'est le bassiste, mais on fait tout ensemble, lui et moi. C'est nous autres qui composons musique et les paroles des chansons. Puis au premier album, 60 minutes avant la fin, on s'était dit, ben là, si on veut passer à la radio, on va faire un petit peu plus attention. Mais encore là, c'était plus rock que la moyenne, je te dirais. Puis là, au deuxième album, on n'avait pas joué à radio avec le premier. OK, mais là, ça va être beau, là. Ou très peu, tu sais, une balade ou deux qui ont joué en région, là. Mais puis là, on composait, puis c'était solidement rock, là. C'était vraiment plus rock que la normale, là. Puis là, j'ai dit, on jouera pas à radio, Phil, c'est sûr qu'on jouera pas. Mais il dit, on a-tu joué au premier? J'ai dit, pas ben. Ben, tu sais ça, on va se gâter. Exactement. Ben, t'as bien fait de gâter. Le deuxième album, il brasse pas mal. Et là, il arrive une pièce là hein, ouais. qui vient d'arriver. C'est tout chaud, comme ouais, on peut ouais, dire. Ben, oui, on vient de lancer ça. Ça fait une semaine ou deux, même la pas. La grande finale. Je t'explique un peu. Ben, j'aimerais que tu me l'expliques. Ouais. Pareil, parce que c'est particulier. Quoique, tu avais déjà fait la collaboration rap avec Richard Mangemarais de Black Tabou. Oui. C'était arrivé, ça. Avec Richard, avec Webster aussi. Sur le deuxième album, il y a une collabo avec Webster et avec Richard aussi de Black Tabou. Ça avait bien marché les deux autres coups. Vous vous êtes dit, pourquoi qu'on récidiverait pas? Moi, j'adore ça, ce style-là. Vous avez joué Walk This Way en entrée. Mm-hmm. C'est une chanson que j'ai adorée quand j'étais plus jeune. Il y a les Hollywood Undead aujourd'hui, il y a Linkin Park qui le fait beaucoup, il y en a des bands comme ça. Limp Bizkit, moi que j'ai adoré, que j'ai vu à Woodstock en Beauce il y a des années. C'était de la bombe, ça. Ah oui, puis à Saint-Pierre-Trois, tu te tiens pas trop dans le mosh pit à Limp Bizkit. Non, mais par exemple, si tu veux d'une des filles qui monte à la fin, il faut que tu t'approches du stage à un moment donné. Là. Mais moi, je touchais pas à terre dans le mosh pit à Limp Bizkit. J'ai dit à mon frère qui est un peu plus grand que moi, sors-moi de là, je vais mourir. Mais ces bandes-là, j'adore ça, ce style-là. Alors, puis on n'en entend pas beaucoup, vous allez l'admettre, là, au Québec francophone, non. Du rap métal ou un peu plus, tu sais, avec un côté rock comme ça, on n'a pas beaucoup. Puis Richard, on l'avait connu pour faire Black le vidéo. Tabou. Ouais, de Black Tabou, mais on avait fait un vidéoclip avec aussi, lui pour la chanson, notre premier extrait du premier album, Oui. On avait tourné avec lui. Puis là, ben, quand j'ai demandé de faire la collabo, il a dit oui tout de suite. Tu sais, ça a été vraiment. Puis il est arrivé avec un texte qui fesse vraiment, puis que j'ai adoré. J'ai dit, change rien, c'est parfait.
parfait comme ça. Puis Webster aussi, même chose, ça a dit oui tout de suite. On collaborait. Il est venu faire des trucs à la Radio-Canada parce que c'est un historien. Puis il est venu faire un été à Radio-Canada. On a travaillé. Beaucoup d'histoire des Noirs. Oui, c'est ça. Ben, Webster, un défenseur. Puis il faisait les arts et spectacles durant l'été. Puis on a travaillé ensemble. Puis on s'entendait très bien. Tu l'as proposé. J'ai proposé. Il a dit oui à aussi. Deux bouchées de sandwich. C'est ça. Alors. Ça nous amenait maintenant. Là. Ouais, ça maintenant, t'a donné le goût. Moi, j'aime ça, ce style-là, comme je te dis. Oui. Ça nous a donné le goût. Puis Philippe, mon bassiste, il joue au deck hockey. Ouais. Moi, j'ai qui déjà est le thème de la chanson. Oui, c'est ça. J'ai déjà joué, mais j'avais des genoux puis des chevilles à cette époque-là. J'en ai un peu moins aujourd'hui. J'en ai toujours deux, mais ils sont plutôt amochés. Mais je me suis quand même réinscrit pour cet été. T'as quasiment pas le choix avec ta chanson. Faut que tu joues au deck hockey prochainement. Puis Natural joue au deck hockey. C'est vraiment un bon joueur de deck hockey aussi. Puis les deux gars se sont rencontrés sur un terrain de deck, puis ont parlé de musique, puis tout ça. Puis The Natural voulait faire une tune. The Natural is back again, là. Yes! Ah oui, oui. Ben, grâce au Ben à Boisvin. On a son troisième retour. Là, parce que il a lancé un album il y a quand même 2 ou 3 ans. Oui, On veut dire. On veut dire. Il était... Parce c'est excellent, qu'il avait, là. Oui, que quand de même. Gary Bettman, Régis Labeaume. Ah ben c'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche, qui aime ça brasser les syndicats et ces affaires-là. Oui, oui, il va finir en politique. Je sais pas. Ben, en tout cas, il avait dit à la mairie qui était sur sa page Facebook pendant un bout de temps. Je sais pas s'il a changé d'idée, mais toujours est-il que les deux gars se sont mis à jaser. Puis là, moi, j'ai dit, ben, on va faire une toune. Ça a pris. Je te dirais que ça n'a pas été très long à composer. Tout de suite, quand Philippe m'est arrivé avec cette idée-là, j'ai rencontré The Natural, Benoît, dans la vraie vie. On aimerait ça. Il aimerait ça faire une toune sur le deck hockey. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait planifié. Fait que moi, ça a été instantané. J'ai dit, OK, parfait. Tout on va le faire... monde s'est lâché là. Oh, ça ouais, mais il y a vraiment. Tellement. Tu sais, je veux dire, c'est pas un besoin, là. Mais les gens au Québec, on aime ça, les tounes de même. Tu sais, moi, c'est comme du Bob Bissonnette. Tu comprends-tu? Quand ça parle des sports qu'on ouais. aime, que c'est drôle, que c'est imagé, ça a tout pour plaire. Aussi, ça reste dans la tête. C'est très accrocheur. Ma proposition est la suivante. Okay, parce qu'on n'est pas pour déblatérer, pas la faire entendre. Okay, fait que je le sais que c'est hors norme, mais je suis dans une station anti-radio. Okay. Donc, on va écouter la chanson. Puis vu que tu m'as fourni le numéro de téléphone de The Natural, oui. on va aller à la source vérifier, voir une couple de questions dont on vient de se peut-être poser. Qu'il va être plus précis que moi pour comment s'est passée l'idée de cette chanson-là. Comment que c'est né tout ça. Ouais. Fait que pour l'instant, on se gâte la grande finale, le Ban à Boisvin avec The Natural.